Thank you.
Je bats de vivre ma chose au Cameroun. Angola, Congo, je rentre pour la fin de Katoum. Culture de terre, vivre de l'agriculture, des boutures, de ma culture, tout ces gestes. Tu te rassures. Maman, que tabata, Angola, le tabou. Mette les yéni à la mitama. Mette les yéni à la coca, la facture, ma le macaba. Oye,
déjà sur une plateforme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue comme ça sur les cours d'Afrique Medium Centrum. Ce soir, je veux comme ça accueillir sur ce plateau un invité de marque, la personne de Mamdouate Kandoum, qui va venir comme ça nous présenter le thème principal de cette présentation, qui est le financement des projets à travers la plateforme Vidoo. Dans quelques instants comme ça, nous allons accueillir M. Mamdouate Kandoum sur le plateau. Bonsoir et bienvenue, M. Mamdouate Kandoum. Bienvenue, merci. Vous accueillir encore aussi les sillons. C'est moi qui vous remercie pour cette acceptation de cette émission. Alors, monsieur Mamdouate Kandoum, c'est bien ça? Bien, merci. Pouvez-vous vous présenter aux chers téléspectateurs qui nous regardent depuis leur écran, s'il vous plaît? Bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs de la plateforme AfroBridge. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Africa Medium Centrum. Mon nom, c'est Marc Mamdouate Kandoum, le promoteur d'AfroBridge. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'étayer sur le plan de financement et de parler aussi de l'histoire de Africa Medium Centrum, en quelque sorte. Merci. C'est moi qui vous remercie. Parlant de l'histoire de Africa Medium Centrum, c'est quoi en fait Africa Medium Centrum? En fait, pour dire en français, Africa Medium Centrum, c'est la plateforme des médias africains de l'Allemagne. En fait, elle existe depuis 2005. Ça fait 15 ans qu'Africa Medium Centrum existe. Et nous développons, nous parlons sur. Nous avons des programmes sur les sensibilisations contre l'immigration, l'intégration de la diaspora africaine en Allemagne. Le problème de rapatriement, nous en parlons, le problème de réinsertion, c'est-à-dire pour les immigrés qui désirent rentrer aussi en Afrique, donc nous avons des programmes aussi de sensibilisation, et c'est ça. Et aussi, comme Africa Medium Centrum est une plateforme, nous avons aussi des journaux, c'est-à-dire un des journaux qui s'appelle l'ONAM, que tous les Africains de l'Allemagne le connaissent déjà, et qui représente en fait. On parle de tout, le business en Afrique, le business exchange entre l'Afrique et l'Europe. Nous parlons aussi de la politique, nous parlons du sport, nous parlons aussi de la culture, du social, et tout ce qui est, c'est-à-dire, qui est autour de l'homme dans la société. En fait, c'est ça, grosso modo, l'idée de Africa Medium Centrum. Super, merci pour cette présentation. Si je vous ai bien suivi, monsieur Mamdouate Kandoum, c'est bien ça. Afrique Media Centrum travaille en collaboration avec le magazine L'ONAM pour l'appui et l'intégration de certains projets africains. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cet appui, cette collaboration qu'a Afrique Media Centrum à travers son journal L'ONAM, est-ce qu'on peut déjà ressentir l'impact de cet appui au niveau de l'Afrique aujourd'hui? Mais puisque beaucoup de représentants, les représentants politiques africains consomment le produit L'ONAM, ils achètent les journaux, ils lisent tous les jours. Et aussi, à travers le programme, c'est-à-dire les sensibilisations contre l'immigration clandestine que Africa Medium Centrum a eu à faire ces dernières deux années, par exemple au Cameroun, dans le cas précis du Cameroun, on a ressenti cela au niveau des médias camerounais, au niveau aussi du politique camerounais, ils ont vu tout, même quand vous avez vu des chaînes comme la CIA TV ou bien les Equinos. Et aussi le canal 2 qui a eu à présenter des programmes de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc c'est un programme qui était suivi par Africa Medium Centrum. Okay. En quelque sorte, c'est
Et c'est une plateforme aujourd'hui qui est internationale, qui est reconnue et qui fait aussi, c'est-à-dire, la qualité, c'est-à-dire la représentative de la diaspora, non seulement camerounaise, mais aussi africaine de l'Allemagne. Merci, M. Biakane, pour cet éclairage. Nous y reviendrons dans les prochaines émissions à travers le thème Afrimédia Centrum. Alors, parlons comme ça de notre thème principal. Donc, vous avez été invité pour cette soirée. Et c'est là, comme ça, la présentation de la plateforme Vidou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le projet Vidou, en quelque sorte, M. Kamdo? Ok, merci pour la question. Nous vous l'avons dit, le projet Vidou a été mis en place depuis 2019. Mm-hmm. En fait, comme vous connaissez dans les relations internationales, entre, je peux dire, l'Allemagne et le reste du monde, aussi en particulier l'Afrique, il y a une forme de coopération internationale. La coopération, ce n'est pas seulement au niveau de la politique, c'est aussi des aides dans État à État. Et l'Allemagne, chaque année, octroie des aides, que ce soit aux entreprises qui s'imprègnent dans le secteur social, et aussi aux pays. Donc, l'idée principale de Vidou était de venir directement en aide, non pas à l'État, mais aussi, c'est-à-dire aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue et qu'ils pensent déjà aussi à créer, c'est-à-dire une entreprise pour éviter, c'est-à-dire non seulement l'exode rural, mais aussi la délinquance. Donc derrière ce projet, nous avons déjà remarqué que plusieurs personnes ont bénéficié et qui, c'est-à-dire, a diminué certains fléaux sociaux que nous en connaissons tous en Afrique. Évidemment, à travers ce projet dont vous nous faites étalage ce soir, comment avoir accès au crédit? Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, aux jeunes entrepreneurs qui rêvent d'accéder ou de profiter de ce financement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment avoir accès à ce crédit? En fait, c'est facile et c'est tout le monde aujourd'hui qui a accès, c'est-à-dire à Internet, à sa plateforme, même sur son smartphone. Il suffit d'aller sur la page de vidou.africa, je dis bien vidou.africa. Le site est en français, anglais, allemand. Donc vous choisissez la langue qui vous convient. Mais à l'heure actuelle, je pense que le site est en français, en anglais. Bon, même les flyers sont aussi en allemand. Quand vous êtes sur le site, vous essayez de créer d'abord un compte. Comme vous le faites aussi dans tout, c'est-à-dire les plateformes sociales aujourd'hui, c'est les plateformes sociales, créer son compte. Création d'un compte pour pouvoir accéder au. Pour accéder à la base des données. Évidemment. Oui. Donc c'est là que ça fonctionne, premièrement. Donc il faut créer d'abord son compte. Et je vous l'ai dit, l'accès aussi au crédit, ou bien c'est-à-dire au fonctionnement de Vidou, ça se passe dans le sens où vous devez avoir quelqu'un qui vit sur le territoire allemand comme un partenaire. C'est lui qu'on appelle en allemand le Forderer. C'est-à-dire c'est lui qui porte votre projet, qui est votre voix à la diaspora. Évidemment. Parce que l'Allemagne, en fait, veut quoi? Que ses représentants de la diaspora, c'est-à-dire, il peut dire, les Africains de la diaspora, puissent être directement aussi en contact avec leurs familles qui ont laissé, c'est-à-dire au pays, pour que le crédit de... le financement puisse passer par eux. Donc en fait, c'est ça la plateforme. C'est-à-dire, vous vous inscrivez, vous dites, vous devez avoir quelqu'un qui vit sur le territoire allemand. Un partenaire avec qui, c'est celui-là, que à travers lui, vous devez avoir accès au crédit. Ce n'est même pas le crédit, c'est-à-dire au financement. Au financement. Ce n'est pas un crédit, c'est un financement gratuit. Évidemment, si j'ai bien compris, c'est un peu compliqué pour certains jeunes. Par exemple, vous avez dit que le but principal de Vidou, en quelque sorte, c'est d'entrailler la pauvreté au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire qu'à travers le financement de certains projets. Maintenant, qu'en est-il de certains jeunes, comme vous le dites tout à l'heure, qui n'ont pas l'accessibilité ou qui n'ont pas la possibilité, malgré le talent, d'avoir peut-être une famille ici et de pouvoir profiter de ce financement? Est-ce qu'il y a une alternative pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir une parenté ici ou alors qu'un individu quelconque
de pouvoir accéder au projet, de pouvoir accéder au financement. Y a-t-il une solution, monsieur? Ok, pour répondre à ta question, comme j'ai dit, il n'y a pas de financement sans condition. La seule condition que la plateforme vidéo met sur place est que votre partenaire, celui à qui, comme la paix, c'est-à-dire la malice, parce que l'État allemand veut que s'il y a, que si un individu lambda reçoit un crédit, pas un crédit, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'aide au financement de sa start-up, de sa petite entreprise qu'il veut créer, qu'il ait une personne en Allemagne, sur le territoire allemand, ou bien un cousin, un ami, ou bien en quelque sorte, qui va l'aider à appuyer le projet. Parce que c'est le nom de l'Allemagne qu'il faut mettre aussi en valeur. Vous dites, ok, si telle personne demain a réussi, c'est au moins l'Allemagne, il se retrouve sur le territoire allemand et il a un cousin. Donc, c'est, en fait, on veut que chaque individu vivant sur ce territoire puisse aider sa personne. Évidemment. Un ami, un frère, un cousin, en quelque sorte, ça, ce qui se cache derrière le projet. Merci bien pour cet éclairage. Si je puisse vous relancer, qui sont donc les principaux ou alors les potentiels bénéficiaires de ce projet, s'il en est ainsi dont vous expliquez. Ok. Pour en bénéficier du projet, c'est tout simple. C'est tout entrepreneur, que ce soit dans le côté, c'est-à-dire s'il peut avoir créé, ce qu'on dit, un petit métier comme un garage, un petit garage. Le secteur informel. Informel. Okay, toute activité du secteur informel. Formel ou informel. Formel ou informel, Vidou finance. C'est-à-dire, on veut faire reculer le chômage. On veut que chaque personne puisse avoir un métier. Vidou veut que chaque personne qui se retrouve dans une situation précaire et bénéficie de cette aide pour pouvoir, c'est-à-dire aller sur le marché d'emploi. Il peut s'auto-employer. Mmh. C'est-à-dire il peut créer, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans, c'est-à-dire la restauration, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la pisciculture, que ce soit dans la coiffure, dans la broderie, c'est-à-dire celle qui fait la couture au quartier, que ce soit n'importe quel secteur que vous pouvez imaginer, Vidou finance. Je vais vous dire comment passe le financement. Le financement se passe comment? Vous devez avoir une personne qui vit sur le territoire allemand. Ça veut dire, ouais. Et alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle un business plan. Un business plan, c'est comme un plan de financement qui va de 500 jusqu'à 5000 euros. Donc, de 500 jusqu'à 5000 euros. Et Vidou, vous commencez, vous allez sur le site, vous vous connectez, vous écrivez tout ce qui est le plan de financement. C'est-à-dire que vous avez une liste, j'ai besoin de, par exemple, celle qui veut ouvrir son salon de coiffure, elle a besoin, par exemple, d'une machine à coudre, d'une table, des ciseaux, peut-être la location, on va appeler comme ça, et elle a besoin peut-être, je ne sais pas, l'électricité, elle écrit tout cela, tout ce qui va entrer en détail dans ses besoins. Et grâce à cela, elle peut définir sa somme peut-être même, disons, à 1000 euros. Dans les 1000 euros, Vidou, vous avez d'abord, vous achetez d'abord. Dans les 1000 euros, ça veut dire que vous, qui recevez le financement, vous devez apporter 25% dans les 1000 euros, soit 250 euros. Celui qui vous avalise, qui se trouve sur le territoire allemand, il doit apporter les 25% aussi. Ça fait 50%. Et vous avez déjà acheté tout avec les preuves d'achat. Vous recevez automatiquement, quand vous êtes sur le site, vous recevez sur place au Cameroun, ou bien au Togo, ou bien si c'est dans quel pays en Afrique, un coach qui vient vous, c'est-à-dire aider à implémenter, c'est-à-dire le projet. C'est là où il y a la fiabilité d'abord du projet Vidou, parce que Vidou veut que chaque projet qu'on a émis soit réalisé.
Et maintenant, quand vous avez déjà eu à acheter déjà tous ces effets, c'est là où les 50% des bidous viennent gratuitement. Ils font les 1000 euros. Donc vous recevez les 50% gratuitement dans votre compte et vous réalisez le projet. Quand vous avez fini avec le premier projet, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 projets. Même dans le même secteur, soit dans les secteurs différents. Alors, merci pour cet éclairage. Vous avez parlé tout à l'heure de la présence d'un coaching pour venir contrôler la faisabilité du projet en quelque sorte. Qu'en est-il? Y a-t-il un suivi dans l'atteinte des objectifs de ce projet, dans l'atteinte de la réalisation de ce projet? Ou alors, qu'en est-il si le plan, le business plan est bien monté et que le coaching, à un moment donné, après avoir dépensé, puisque vous avez dit que celui le faisait, le poseur du projet doit dépenser 25%, et après, son avaliste doit apporter les 25%, et maintenant, la plateforme Vidoo que vous représentez ici, pourtant, va venir avec les 50%. Mais pour que ces 50% soient réalisables, il faut l'appui d'un coaching pour pouvoir, que je veux dire comme ça, certifier le projet en quelque sorte. Quelles sont donc les garanties que vous... Nous avons eu un appel en ligne. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'essaie de me joindre, là, je n'arrive pas. Vous êtes en ligne, monsieur. Vous êtes en ligne sur l'émission Vidoo, Africa Media Centre. Oui, bonjour, je me reste sur mon site Facebook, je n'arrive pas. Allez sur la plateforme simplement d'Afro-Bridge Lender. Vous venez ça en live. Allez sur la plateforme d'Afro-Bridge Lender et vous suivrez l'émission en live. Ok, j'essaie. Merci pour votre appel. Juste aux chers téléspectateurs qui nous regardent depuis la maison, vous pouvez poser vos questions au numéro qui figure en bas de votre écran. Comme nous sommes en train de parler de l'émission Vidoo. La plateforme de présentation, je vous en prie, la présentation et le financement de certains de vos projets africains. Et comme ça, le technicien, la personne pour la présentation de ce projet, M. Mamdiate Kamdoum, nous étions en train de parler comme ça du financement du projet. Et la question dont je vous pose maintenant pour vous relancer, c'est y a-t-il une étude de la faisabilité du projet avant tout financement par votre plateforme? Comme on dit, comme je dis tantôt, la chance que nous avons, c'est qu'auparavant, c'est différent de ce que vous faites habituellement auparavant. Comme chaque Africain qui se retrouve dans la diaspora en cherchant à aider sa famille dont il a laissé. Il aidait, soit ils avaient des projets auparavant, mais les projets parfois n'aboutissent pas. La chance qu'il y avait pour Vidoo, qui est bien un produit géré par la GIZ, que tout le monde le connaît en Afrique, qui est dans la coopération, c'est-à-dire avec les États, les projets de développement. Ils sont basés presque partout en Afrique. Le cas du Cameroun principalement, il y a la GIZ qui sont à Douala, à Yaoundé, à Garoua. Le coach, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons des coachs qui sont presque dans tous les secteurs d'activité, à la centrale de la GIZ. Quand vous déclenchez un processus de financement de votre projet en ligne et que tout est OK parce qu'il y a une interface qui suit tous les projets, automatiquement, vous recevez un appel d'un technicien dans le secteur qui se trouve au Cameroun, qui viendra vous accompagner à mener le projet. C'est là où on rend le projet plus fiable et concret. Il n'est pas là pour influencer ce que vous êtes en train de faire. Il est là pour vous encadrer. Pour que ça puisse réussir. Que ça puisse réussir absolument. Pour que demain, vous soyez, c'est-à-dire un entrepreneur, comme les autres qui ont réussi. Donc voilà. Le fait que vous avez dit que vous recevez déjà un coach sur votre projet et que vous ne le payez même pas, c'est déjà un atout pour la réussite.
ce qui n'existait pas. Quand vous-même, vous voulez aider un membre de votre famille à réaliser, peut-être, une soeur vous appelle et dit, je veux ouvrir un salon de coiffure. Elle ne s'y connaît pas. Mais à l'intérieur de la GIZ au Cameroun, il y a les représentants de chaque secteur qui s'y trouvent, qui connaissent tous les problèmes. Par exemple, nous avons aussi ceux qui viennent aussi même du côté de la science, comme les membres, c'est-à-dire, nous parlons peut-être du cas de la VKII, c'est-à-dire l'association des ingénieurs camerounais en informatique, dont ils ont des représentants au Cameroun. Donc, ils peuvent aussi en bénéficier de cela. GIZ a les ingénieurs qui vont sur le terrain. Peut-être quelqu'un qui veut créer, c'est-à-dire une usine de mécanisation, de montage des machines, un petit start-up, de soudure. Pourquoi pas? La soudure fait partie de la mécanique. Il a besoin de tel appareil, tel. Ça coûte peut-être 2 millions de francs. Je rappelle que Bidou finance des projets qui vont jusqu'à 3 500 000. Parce que je pense que c'est 3 500 2500, 5 000 euros. Et dans les 5 000 euros, vous recevez les projets, vous apportez 25%. Celui qui vous aide à recevoir le projet apporte 25%. Et Bidou amène les 50% gratuitement. Gratuitement. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait d'où vient ce fonds? Ce fonds de financement que la patronne Bidou met à la disposition des jeunes entrepreneurs. Au début, je vous ai présenté la plateforme Bidou comme une plateforme d'aide au développement. La GIZ et la BMC, BMC c'est en quelque sorte... BMC c'est la Bundesministerium für Zusammenarbeit, c'est-à-dire coopération, le ministère de la coopération. Ouais. Ils sont en relation avec les États. Justement. Les États viennent en aide, mais cette fois-ci, c'est la première fois, c'est la première fois qu'ils ne veulent plus, c'est-à-dire fonctionner avec les États qui le conduisent, mais directement avec les particuliers. Évidemment. Pour que les particuliers reçoivent automatiquement ce financement. L'Allemagne a des fonds d'aide. C'est là où sort le financement des Bidou. C'est là où sort les ressources des Bidou. L'Allemagne a des fonds d'aide au développement, au social, au développement, dans tous les secteurs d'activité. Justement, à ce qu'il en est, est-ce que, à l'instant dont nous présentons cette émission, vous avez déjà eu à recevoir sur votre plateforme certains business plans qui a été achevé, dont vous êtes peut-être prêt à la réalisation, au financement de 50%. Est-ce qu'il y a déjà des business plans qui sont entrés à travers votre plateforme? Naturellement. Il y a des étudiants, il y a ceux qui nous écoutent tout à l'heure, ils peuvent vous en dire, ceux qui sont au Cameroun. Il est quand même vrai que la demande est énorme. La demande, quand vous allez sur le plan, la demande est tellement énorme, mais tout ne peut pas être traité au même moment. C'est dû peut-être que, vu la demande, c'est dû aussi au nombre, c'est-à-dire peut-être le personnel. Le personnel, parce qu'il y a beaucoup de projets maintenant qui sont en attente. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié quelqu'un. Tous les projets seront réalisés, les gens sont, il y a ceux qui sont déjà satisfaits, qui ont déjà reçu le coaching. Quand vous vous enregistrez, quand vous finissez le premier pas, qui est que le business plan soit déjà réalisé en ligne et que vous dites que vous allez acheter le matériel, vous recevez automatiquement votre coaching. Il vous appelle parce que sur la plateforme, vous mettez tous vos contacts. Vous recevez l'appel. Ça veut dire ceux qui, je pense qu'il y a des auditeurs qui sont en ligne qui peuvent aussi appeler et témoigner en quelque sorte. Justement, parlant des auditeurs qui nous écoutent depuis l'écran, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes comme ça. Dans les locaux d'Afrique Media Centrum. Et l'émission principale que je vous présente aujourd'hui, ce soir, c'est la plateforme de financement Bidou pour tous les projets des jeunes entrepreneurs en Afrique, avec comme ça la participation et la collaboration de Bidou dans l'acheminement et le financement de vos projets. En fait, le débrayage qui se fait en ce moment, c'est les 25% que vous apportez. Pour le financement du projet, il faut d'abord avoir votre propre compte pour tous les jeunes entrepreneurs. Il faut déjà être disponible à travers un compte dans lequel vous allez vous inscrire sur la plateforme
qui figure au niveau de la page web de Vidou. Allez-y, chers jeunes, inscrivez-vous et posez vos questions si vous êtes en ligne à travers les numéros qui se trouvent en bas de votre écran et nous vous répondons sur place. Alors, nous allons comme ça continuer avec l'émission, monsieur Kamdoum. Est-ce que, en dehors du financement de certains projets, est-ce que Vidou pense s'imprégner encore dans certains secteurs d'activité qui sont le côté du financement des projets? Par exemple, à travers l'aide de certains Camerounais, certains jeunes entrepreneurs qui sont installés ici. Vous savez, vous avez dit que l'objectif principal de Vidou, en quelque sorte, c'est d'enrayer la pauvreté au niveau de l'Afrique. Mais qu'en est-il de ceux qui sont ici Camerounais, qui sont aussi entrepreneurs, mais du fait des difficultés liées à l'octroi de titre de séjour, est-ce que vous pouvez les aider dans le financement de certains micro-projets, comme peut-être la création, comme vous le savez, d'un centre de coiffure, mais plutôt sur le territoire allemand? Mais, merci pour la question. Je vous en prie. Comme j'ai dit, le projet Vidou est orienté que sur les pays d'Afrique. C'est la raison pour laquelle c'est écrit Forden Sie Geschäftsidee in Afrika. Vous qui vivez sur le territoire, vous n'avez pas de chance d'entrer en accès à des vidéos. Mais vous qui vivez ici, vous pouvez permettre à, en quelque sorte que un projet soit réalisé derrière vous au pays, c'est-à-dire au Cameroun particulièrement. C'est-à-dire vous pouvez booster. Vous pouvez booster un projet pour qu'un des membres de votre famille puisse réaliser, bénéficier un projet. Justement. Pour que celui-là ne vous appelle plus, vous dit, « Oh, grand frère, j'ai besoin de l'argent. » Tu dis, « Ok, dis-moi ce que tu peux faire. Dis-moi ce que tu peux faire. Tu vas réaliser un plan de financement de tel projet. Dis-moi. » Parce que là, peut-être ici, tu pouvais travailler et prendre cet argent et encore aider la famille en Afrique. Mais non. Mais Vidou t'allège aussi quelque part. Vidou t'allège, c'est-à-dire se charge en disant que, ok, va dans ta famille, tu peux partir toi seul, tu peux réaliser trois projets, tu prends ta soeur, tu prends ton petit frère, tu prends un cousin, vous le mettez ensemble, il est quand même, il est vrai que tu vas apporter les 25%. Tu vas apporter les 25% de chaque projet pour que ça puisse être réalisé. Mais auparavant, tu le faisais même sans les aides, sans les 50% que Vidou va apporter. Donc, vous dites qu'en quelque sorte, sur place, vous ne pouvez pas recevoir les aides. Vidou peut t'utiliser, toi, pour que tu puisses aider les membres de ta famille. Évidemment. Et en dehors du Cameroun, dont vous avez cité tout à l'heure, du Ghana aussi, est-ce que Vidou est suffisamment implanté au niveau des États africains? Ok, pour dire, nous avons commencé le projet depuis l'année passée, 2019, c'était, je pense, en septembre 2019, oui, autant pour moi, parce qu'on a fini en avril, septembre 2019, et que nous avons eu affaire les deux pays, on faisait le Cameroun et le Ghana. Mais à l'heure actuelle, ils sont ouverts à plusieurs pays. Nous cherchons à l'heure actuelle à sensibiliser la population d'abord camerounaise, qu'elle sache, parce que presque, je peux dire, beaucoup des intellectuels camerounais connaissent GIZ. Et aussi, le projet est répandu d'après, on peut aller dans presque 12 pays en Afrique maintenant. Donc, depuis une semaine, nous avons eu des accords en disant qu'on peut organiser, il y a des pays comme peut-être le Maroc, le Togo, l'Éthiopie, la Tunisie. Nous essaierons de voir ce côté-là. Le Ghana encore, qui vient, le Nigeria, bon, beaucoup de pays subsahariens, quoi. La majorité de ces pays, c'est pays subsahariens. Super. Vu la fiabilité du projet porté par Vidou, est-il possible que Vidou puisse entrer, et ne serait-ce qu'en contact avec les États, des différents pays dans lesquels vous êtes intégrés, pour que ces États puissent appuyer les projets dont vous appuyez à 50%? C'est-à-dire que si vous pouvez faire en sorte que le jeune entrepreneur qui
n'a pas suffisamment les moyens, qui vient à peine de sortir de l'école et n'a pas les moyens d'apporter les 25%. Est-ce qu'à travers l'accord, la garantie que vous offrez sur les 50%, de permettre que l'État du pays dans lequel il se trouve puisse l'aider au financement des 25% dont il aura à apporter? Est-ce qu'il y a une possibilité de coopérer avec les États en Afrique? Je pense que la possibilité de coopération vient du fait que nous portons des projets. Nous allons déjà dans les ambassades où ce projet doit passer dans leur pays, présenter le projet. Donc, chaque ambassade ici a des secteurs, c'est-à-dire, je peux accommoder le secteur social, le développement aussi, au culturel, qui peut jouer ce rôle en amont. Parce qu'avant de présenter le produit, peut-être, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, nous avons eu les délégations qui sont allées au niveau de l'ambassade du Cameroun à Berlin, qui ont présenté le produit Vidou. Ça veut dire que quoi? Ça ne vient plus de notre rôle. Si les États sont indépendants, si les États peuvent aider leurs citoyens avec les 50%, c'est un problème, c'est-à-dire étatique. Vidou a déjà garanti ces 50% qui sera toujours mis à la disposition des demandeurs de financement. Donc, c'est le rôle des États. Nous ne pouvons pas entrer dans la philosophie de chaque État parce qu'ils sont dépendants. Vidou a déjà garanti ses 50%. Naturellement, les étudiants peuvent aller faire des demandes. Les demandes, je pense bien quand il y a les demandes au niveau, quand vous créez un start-up, et le côté social au Cameroun, quand vous créez des start-up, vous pouvez être, c'est-à-dire aidé par l'État. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire autour de l'aide de l'État. Mais pour dire, les 50% de vidéos sont déjà garantis. C'est là, ça tend à tout demandeur. Justement. Alors, chers téléspectateurs qui suivent en direct cette émission, vous pouvez comme ça poser vos questions au numéro qui figure juste en bas de votre écran. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes sur la présentation de l'émission du financement des projets, micro-projets, je veux dire ainsi, africains, à travers la plateforme Vidou, qui offre gratuitement et qui met à votre disposition de tout entrepreneur africain 50% de la réalisation de son projet, mais à condition que vous vous inscrivez sur la plateforme, puisque le projet est suivi et financé par le ministère de l'appui aux entrepreneurs allemands. Alors, il faut juste vous inscrire sur le site créer votre compte, c'est-à-dire votre petit compte, et faire donc les premiers pas dans ce sens et présenter un business plan qui sera suivi au niveau du Cameroun, premièrement par un coaching. Et le plus important pour la réalisation de ce projet, il faudrait que vous ayez une personne. Une parenté, un ami qui vit sur le territoire allemand afin d'appuyer ce projet à hauteur de 25%. Alors, comme vous venez de constater, M. Mamblat Kamnoussi, qui est spécialiste en la matière, dans l'éclaircissage des difficultés ou des différentes questions à travers le financement du projet Vidou, nous avons comme ça étayé plusieurs points à ce sujet. Et j'aimerais encore vous relancer, si vous le permettez, M. Mamblat Kamnoussi. Est-ce que Vidou compte entrer en partenariat avec d'autres associations culturelles? Vous avez parlé tout à l'heure, à l'introduction de cette émission, du projet l'ONAM, par exemple, qui est en collaboration avec Afrimedia Centro. Est-ce que Vidou est déjà connu sur la plateforme l'ONAM à travers les réseaux sociaux? Est-ce que Vidou est déjà suffisamment connu pour que les gens puissent connaître le produit? Merci pour la question, elle est très importante. Je profite de cela pour dire, devant tous les téléspectateurs, chaque association qui souhaite avoir, c'est-à-dire une présentation de Vidou, qui se trouve n'importe où sur l'Allemagne, peut simplement nous écrire, nous passerons et nous viendrons sur place leur présenter le produit Vidou. Vous avez
au bas de l'écran toutes les adresses, un numéro de téléphone, une adresse email, dont vous pouvez à chaque moment nous contacter. C'est très important. Et aussi, depuis les 6 derniers mois, nous avons essayé, au moins je peux calculer près de 12 associations au nord de l'Allemagne, au sud de l'Allemagne, à l'ouest et aussi ici à Berlin, en entrant en contact. Mais majoritairement, c'était dans les associations camerounaises. Depuis, ça c'est la première édition que nous recommençons, qui va sur un an. Nous allons attaquer aussi des associations et d'autres pays, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Togo, comme l'Éthiopie, parce que nous voulons que c'est toute l'Afrique qui en bénéficie de ce projet. Vous allez voir ce jour, le journal. Nous avons aussi beaucoup de journaux. Derrière le journal, par exemple, voilà, c'est qui porte, comme je dis, c'est une plateforme. Africa Media Center reste la plateforme. Et l'ONAM, c'est un produit d'Africa Media Center. Et comme vous voyez aussi à Flowbridge, tous, nous utilisons tous nos médias pour pouvoir faire passer le produit vidéo. Pouvoir faire passer le produit vidéo. Et à travers cela, comme je dis, le site c'est français, anglais, allemand. Nous devons aussi avoir des communicateurs aussi en anglais, pour ceux de nos frères qui ne comprennent pas bien le français et qui veulent aussi bénéficier, c'est-à-dire du financement gratuit de vidéos. On dit, dans les jours à venir, nous allons dans d'autres associations qui ne sont plus. Bon, parce que nous avons commencé, pour vrai dire, avec les associations camerounaises de l'Allemagne. Nous allons aller sur les associations togolaises, nous allons aller dans les associations ghanéennes, nous allons aller dans les associations éthiopiennes, nous allons aller dans les associations marocaines, pour qu'un jour, toute l'Afrique puisse en bénéficier du financement du vidéo dont nous en parlons maintenant. C'est ça, c'est comme, et vous faites passer, c'est-à-dire le message, ou bien l'image des vidéos. Nous avons pensé dès le début, Africa Media Center doit penser, parce que comme elle est la plateforme du média africain de l'Allemagne, elle a pensé qu'en touchant les associations africaines de l'Allemagne, puisque dans cette association, les membres sont d'origine africaine, il sera facile de joindre l'Afrique. Voilà en quelque sorte la stratégie dont Africa Media Center a mis sur pied pour pouvoir, c'est-à-dire promouvoir le produit vidéo. Merci encore une fois de plus, M. Kano, pour cet éclairage. J'ai une question qui vient de me paraître de l'un de nos téléspectateurs qui cherche à savoir s'il est basé, par exemple, en Belgique ou dans un autre état du Chérin. Est-ce que à travers sa position, Vidou peut l'aider à Vidou peut financer le projet de l'un de ses heures, l'un de ses frères qui se situe au Cameroun, mais puisqu'il n'est pas basé en Allemagne, il est plutôt dans un état Schengen, est-ce que Vidou peut, dans ces conditions, toujours financer le projet? Je pense que dans les premiers temps, je puisse situer le cadre où on pouvait recevoir, géographiquement parlant, l'herbe. C'est un produit uniquement allemand. Il faut être sur le territoire allemand. Alors, quand vous dites qu'il faut être sur le territoire allemand, ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Parce que l'Allemagne veut utiliser sa diaspora, c'est-à-dire les émigrés, ceux qui se trouvent sur le territoire allemand, pour pouvoir passer c'est l'image de la vidéo, c'est l'image de l'Allemagne à l'extérieur. Ouais. Parce que l'Allemagne coopérait avec les États, et ils disent non, maintenant, nous utilisons, c'est-à-dire les émigrés qui se trouvent sur notre territoire. Hein? La diaspora. Ça veut dire que l'individu doit bénéficier d'une adresse ou alors parce que il doit être sur, il doit être parce, comment ça se passe quand il se connecte sur internet? Ouais. Celui qui, parce qu'il y a le forwarder, il y a le sous-forwarder, le demandeur et celui qui reçoit, l'entrepreneur qui est au Cameroun, qui est peut-être au Cameroun, qui reçoit l'aide et celui qui l'aide à recevoir l'aide, celui qui l'aide, il est comme son garant ici. Et il doit avoir une adresse sur l'Allemagne. Justement. Parce que quand il crée le compte, ça lui demande que tu es en communiqué. Soit il va donner l'email de la personne avec qui il est en communication.
Et la personne là, comme il est déjà aussi, c'est comme il a déjà créé son compte, les deux personnes créent le compte. C'est-à-dire, le demandant, c'est-à-dire celui qui est ici, et là, celui qui est en Allemagne, crée aussi le compte sur la plateforme Vidoo. Et celui qui est aussi le receveur de l'aide, qui est l'entrepreneur, qui se retrouve en Afrique, crée aussi, c'est-à-dire, il crée aussi son compte sur la plateforme Vidoo. À un moment donné, en créant votre compte, la plateforme va vous demander qui est votre correspondant. Là, soit vous donnez son nom, soit son email adresse, et vous restez en communiqué. Comme moi, j'ai un WhatsApp, je t'appelle sur mon WhatsApp, j'écris avec toi. Et vous deux, vous pouvez utiliser la plateforme Vidoo pour vous communiquer, et il y a une interface. C'est Vidoo.Africa qui gère l'interface et qui connaît que tel individu X qui est en Afrique, qui se trouve au Cameroun, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, parce qu'il donne toutes ses adresses, est en contact avec monsieur Chris Fancy. Il est à Berlin, il habite telle adresse, telle, son numéro de téléphone, tel, pour rendre l'affaire plus concrète. Et maintenant, quand vous donnez à vous l'adresse sur l'Allemagne, on connaît déjà que vous êtes situé sur l'Allemagne. Okay, merci une fois de plus pour cet éclairage à travers. Chers spectateurs, vous qui venez à peine de nous rejoindre cette émission, si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste au numéro qui figure en bas de votre écran. Et nous allons devoir comme ça continuer. Nous allons devoir comme ça continuer. Monsieur Marc Kamdoum, vous avez parlé comme ça de la transparence déjà faite par Vidoo pour le financement des projets. Vous avez parlé de la faisabilité. Vous avez éclairci sur toutes les conditions dont nos jeunes entrepreneurs ont besoin au niveau de l'Afrique pour pouvoir bénéficier de l'aide de ces 4% de crédit ou d'aide octroyée par votre plateforme. Et à l'heure actuelle, certains ont déjà eu à en bénéficier. Et vous avez également expliqué comment s'octroyer le financement des projets à travers votre plateforme Vidoo. Et vous avez également fixé les différents objectifs que la plateforme Vidoo souhaite atteindre, qui est principalement l'enrayage et la réduction de la pauvreté au niveau de l'Afrique. Alors, je vous repasse la parole en vous relançant juste sur une petite question et qui essaie de savoir. Vous avez dit que le financement se situe maximum au niveau de 2 500 euros, je pense aussi. Au niveau de 500 euros, pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, 50%, 25%, ça va dans 250 euros, qui sont, se situent au niveau de 300 000 francs, si je me trompe bien. Et vous avez dit également que ce financement vient du fonds, je veux dire allemand, des fonds d'aide allemand, à travers le développement. Dans différents domaines, est-ce que Vidoo peut aussi financer un projet politique au niveau des États africains? Parce que vous savez, la question politique est souvent très sensible dans nos États africains. C'est vrai que lorsqu'on parle de l'économie, de la culture, Vidoo est prêt à financer. Mais est-ce que si quelqu'un porte un projet politique, Vidoo peut financer à 50%, pareil comme le projet économique? Merci pour la question. En fait, je n'ai pas entendu cette idée. C'est la première fois que j'entends. J'ai bien, au début de l'émission, nous avons placé Vidoo comme une plateforme d'aide au d'aide au développement. Mais la politique n'était pas pensée comme une aide au développement. Nous avons cité en quelque sorte de son métier. Nous avons parlé, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous marchez dans la rue, à Douala, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un bensekineur. Je ne sais pas si un politicien peut conduire son bensekine pour aller porter, c'est-à-dire un usager d'un point A pour aller déposer un point B. En fait, en quelque sorte, vous dit, ça c'est le fonds d'aide au développement. Quand on parle de fonds d'aide au développement, il s'agit de la création d'entreprises, il s'agit de l'auto-entrepreneuriat,
Il s'agit en quelque sorte de regarder comment réduire, c'est-à-dire soit le chômage, les fléaux sociaux comme l'exode rural. Par exemple, nous avons eu des cas dans les dernières semaines, quand vous regardez les médias camerounais, il s'agissait de ces petits cultivateurs qui se retrouvent à Fumban, qui cultivent leurs tomates, mais qui n'arrivent pas à transférer sur le marché. Ouais. Parce qu'il y avait le coût de transport, la logistique qui intervient dans tous les secteurs. Il n'a pas de moyens de déplacement. Voilà les petites idées. Puisque Vidou met déjà jusqu'à 5000 euros, donc finance jusqu'à 5000 euros, c'est-à-dire prend sur un business plan de 5000 euros, prend 50% en charge, ça veut dire 2500 euros, qui équivaut dans les 2 millions et demi, plus de 1 700 000, autant pour moi, je m'excuse, 1 700 000. Avec cet argent, ils peuvent acheter une petite pick-up. Pourquoi pas? Il peut acheter une petite pick-up qui va le permettre à produire sa tomate et à renvoyer au niveau du marché pour garder son activité, pour sauvegarder son activité, pour ne pas perdre son activité. Parce qu'en perdant son activité, peut-être que sa famille, la scolarité de ses enfants, peut-être qu'il louait une maison dans le village où il se trouve. Mais Vidou vient là quand même, vient là seulement pour l'aider à sauvegarder son existence. Donc, parlant que Vidou va financer un parti politique, non. Non et non. C'est la première fois que j'entends cette question. Mais ça n'était pas pensé pour cela. Ce sont tout ce qui est micro-projet. Tout ce qui est micro-projet. De 500 jusqu'à 5000 euros. Et Vidou prend de 500 jusqu'à 5000 euros, 50%. Imaginez un start-up, même dans la mécanique, dans l'ingénierie. Imaginez tout ce que vous pouvez faire. Imaginez tout. Même dans la plomberie. Ce que vous avez besoin. Même un petit garage au quartier. Vous avez besoin de pièces. Vous dites, ok, je vais ouvrir mon petit garage, même sur 20 mètres carrés. Comment je vais faire pour m'en sortir en créant un garage? Je vais acheter des clés, je vais acheter un petit levier, je vais acheter une soudure, je vais acheter tout cela. Ça monte à 2 millions de francs CFA. C'est 3 000 euros. Dans les 2 millions de francs CFA, vous devez avoir 750 000. Celui qui est ici en Allemagne, votre cousin, votre ami, votre frère doit avoir 750 000. Et Vidou donne 1 500 000. Et vous recevez sur place au Cameroun gratuitement un coach qui vous amène à réaliser votre projet. Et vous, ici à la diaspora, vous serez content parce que vous êtes sûr au moins que vous avez quelqu'un qui va aider votre frère, votre cousin, votre ami gratuitement à réaliser ce projet parce que ça c'est l'objectif des vidéos. Parce que nous voulons que tous les projets soient réalisés. Or, la politique n'est que parole. La politique n'est que parole de convaincre. Mais elle n'est pas palpable. Peut-être qu'avec la durée du temps, la politique peut être visible. Mais un projet, que ce soit dans le secteur formel ou informel, le projet est concret. Il est visible. Justement, à travers l'appui de ces projets dont vous venez en fait de nous faire part, vous savez, Monsieur Kamou, que la création d'une entreprise, elle naît, elle grandit et ensuite elle meurt. Est-ce que la plateforme Vidou est prête à soutenir ces entrepreneurs après la réalisation de leur objectif? Vous savez, il peut se trouver en faillite ou alors en difficulté financière. Est-ce que dans ce sens, à travers une demande formulée sur votre plateforme, vous êtes prêt à soutenir, puisque le matériel qui sera acquis peut être, il faut renouveler le matériel, par exemple dans la construction, quelqu'un qui fait dans la menuiserie, il a besoin de renouveler le matériel.
Est-ce que à travers les financements que vous avez apportés, si peut-être dans 2-5 ans, les matériaux sont déjà vieillissants et qu'ils demandent à être renouvelés, est-ce que Vidou peut toujours apporter son financement pour le renouvellement de ces investissements? Ok. Pour dire, à l'heure actuelle, nous avons le projet Vidou a été prolongé pour un an de suite. Pendant les un an, si vous avez un projet, quand il dit même les projets déjà en cours, ça veut dire que vous avez eu à hormis Vidou, vous avez eu à débuter un projet, même dans la menuiserie, et que même le matériel est déjà peut-être, c'est-à-dire, vieillissant, oui. Tout ça, vous pouvez faire court à Vidou. Les oui. projets en cours sont financés. Vous avez déjà commencé le projet de la pisciculture, vous êtes avancé, vous pouvez demander de l'aide à Vidou pour, c'est-à-dire, venir à bout de votre projet. Justement. Hein? Vous dites que le projet à l'heure actuelle va sur un an, c'est-à-dire depuis une semaine, nous avons un an pour faire, c'est-à-dire la campagne, pour que chaque personne puisse en bénéficier. Hein? Chaque personne qui se retrouve sur le territoire allemand et qui a une famille en Afrique pour en bénéficier de ce projet. Nous avons commencé depuis 6 mois à sensibiliser les Camerounais pour dire voilà, vous avez trop tendu la main à l'État, vous avez trop tendu la main peut-être pour tel projet, voilà une opportunité qui l'État allemand met directement, c'est-à-dire ne passe plus par l'État, mais met directement à l'accès à chaque Camerounais de pouvoir réaliser son rêve. Au lieu de se retrouver, c'est-à-dire sur une migration illégale, comme nous avons vu ces 5 dernières années dans nos médias, parce que le jeune ne savait pas où il allait naître. Est-ce qu'il peut réfléchir, celui qui a fini peut-être avec un baccalauréat, comment créer un start-up, comment devenir son auto-employeur? Est-ce que je dois faire l'élevage, même des 1000 poulets? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je peux créer une cordonnerie? Est-ce qu'il peut se créer, c'est-à-dire une celui qui fait de la sérigraphie. Est-ce que je peux faire l'infographie? Est-ce que je peux faire, c'est-à-dire la quincallerie, une petite quincallerie? Est-ce que je peux faire une petite boutique? Est-ce que je peux créer, c'est-à-dire une livraison avec même 3-4 motos, une petite entreprise de livraison même dans le quartier? Égal où je me trouve au Cameroun, que je suis à Garoua, à Maroua, à Yaoundé, à Bolova, à Sambenima, à Bafan, à Bafoussam, à Tchang, à Limbe, à Boya, est-ce que je peux avoir accès à cette terre-là? Donc ceci vient encore plus booster et aider la diaspora camerounaise qui est sur l'Allemagne. Je parle principalement à l'heure actuelle. La diaspora camerounaise sur l'Allemagne, comment bénéficier du projet Vidou en aidant sa famille, son cousin ou bien un ami quelconque. Justement, M. Kadou, à notre cher téléspectateur qui venait à peine de nous rejoindre sur ce plateau, dans le cours d'Afrique Média, comme ça, c'est la présentation. La plateforme Vidou, financement des micro-projets africains à hauteur de 50% gratuite. Alors, pour vos questions, vous pouvez les poser justement au numéro qui figure en bas de votre écran. Je veux comme ça relancer une fois de plus notre invité spécial de spécialiste en la matière de ce financement, M. Kandoum. Actuellement, le financement Vidou se fait au niveau du Cameroun. La question dont je vais vous poser, M. Mandate Kadoum, c'est de savoir s'il y a aussi un représentant Vidou du côté ghanéen qui puisse aussi informer les jeunes ghanéens, les jeunes entrepreneurs ghanéens sur cette opportunité que offre l'État allemand. Est-ce que vous avez un contact au niveau du Ghana qui puisse informer ces jeunes-là? Puisque actuellement, vous êtes spécialiste camerounais basé sur le plan camerounais. Est-ce qu'il n'y en a pas quelqu'un du côté allemand, du côté ghanéen, je vais dire ainsi, qui puisse informer les jeunes entrepreneurs ghanéens sur
l'opportunité qu'offre l'État allemand? Ok, très bonne question. Je tiens à rappeler que Afrique Media Centrum, c'est une plateforme où il y a des Africains de tous bords. Donc ici, nous avions les Camerounais, nous avons des Ghanéens avec qui nous travaillons, nous avons les Nigériens, nous avons les Éthiopiens, nous avons les Érythréens, nous avons les Marocains. Donc, Africa Media Centrum n'était pas choisi au hasard. Justement. Parce que ça dit, c'est la fenêtre de l'Afrique sur l'Allemagne. Hein, en ce qui concerne le média. Nous avons tous les contacts sur place. Moi, en fait, je suis aussi dans la communauté camerounaise, je suis trop orienté dans la communauté camerounaise, mais je tiens à rappeler que nous avons plusieurs contacts avec qui nous travaillons. La communauté ghanéenne aussi, de Berlin, d'Ambou, de Cologne, d'Hanovre aussi, avec qui nous sommes déjà en contact, qui vont recevoir aussi la présentation de Africa Media Centrum. My fellow brother from Ghana, that anytime you can call me to get our presentation from Vido Africa, to have some every kind of financement for all kind of micro project in Ghana. Like the Cameroonian, he tried to speak English. I think you are welcome, sir. And we also have, I will take this opportunity to welcome you, fellow Ghanaian peoples. So next time, maybe you can just send up your representation, one of you, if you can speak about this project. So I'll be more than happy to welcome you next time on this emission. Thank you very much. Alors, pour sortir, est-ce que M. Kandou pouvait, pour ceux qui viennent à peine de rejoindre l'émission, faire un tout petit peu récapitulatif de ce qu'est Vidou pour sortir en fait de cette émission. Et je tiens juste à rappeler que les prochaines émissions suivront sur la présentation du rôle et de l'impact qu'a Afrique Media Centrum sur la réalisation des projets au niveau de l'Afrique. Et Vidour, comme je vous dis, travaille en partenariat, en collaboration avec le magazine panafricain L'ONAM, ainsi qu'avec la Faubriche, qui est toujours une entreprise spécialisée dans la délivrance et l'octroi de la facilitation du service de visa et la transmission des traductions des documents. Alors, M. Makandoum, qui est comme ça le représentant technicien et spécialiste en matière Vidou, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir, ce que vous comptez vraiment, l'objectif que vous avez vraiment en cœur sur la mise en application de ce projet Vidou? Merci encore pour la question. Comme c'est une question de sortie, je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs que Vidou a été pensé, il est vrai, mais ce sont des choses que nous faisons déjà sans le savoir, que nous, c'est-à-dire nous avons toujours eu à aider un membre de notre famille, parce que chacun de nous ici a une famille qu'il a laissée dans son pays d'origine. Nous avons eu toujours à envoyer de l'argent, mais cette fois-ci Vidou vient seulement nous aider à continuer ce que nous avons eu à faire, mais dans l'avantage de non seulement ne plus dépenser son argent, c'est-à-dire dépenser un peu de son argent, mais étant sûr que le projet que sa famille, son frère, son ami réalisera demain sera un projet sûr et durable, et qui va l'éloigner en quelque sorte de la dépendance. C'est ça Vidou. Voilà ce qui est pensé autour du projet Vidou. Vidou vient aujourd'hui amener, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui n'avaient plus d'espoir et qui se retrouvaient sur le chemin
l'immigration illégale, de pouvoir penser à créer sur place, à se développer sur place et de devenir demain aussi un homme pour l'avenir de sa nation. Super. Et vous dites, en ce moment où la pandémie sévit dans le monde entier, je tiens à rappeler que pour ce que Vidou a pensé, c'est-à-dire derrière son paquet d'aide, et là, c'est un geste que la centrale de Vidou, derrière la GIZ, a pensé aussi à mettre sa main dans le, c'est-à-dire, dans le paquet pour dire comment aussi aider, c'est-à-dire les États atteints du COVID-19 à combattre le COVID. Super. Chaque personne qui a un projet du Vidou finance jusqu'à 250 euros gratuitement. Là, vous n'avez besoin de 50% de celui qui est en Allemagne, de 50% de celui qui est ici. Ça veut dire que quoi, vous avez aussi un projet, comme peut-être celle-là qui peut coudre les masques. Elle peut faire un business plan. Je peux coudre 200 masques, j'ai besoin de financement. Vidou finance gratuitement jusqu'à 250 euros. Pour ceux qui se, et qui se jettent dans la lutte contre le COVID-19, tous les concepts qui sévit contre le COVID-19, vous recevez un financement gratuit. Sans plus, c'est-à-dire sans l'apport. Mais pour les projets de développement, hormis la pandémie, vous allez payer, vous allez apporter aussi les 25% chaque personne. Mais pour le projet de COVID, c'est-à-dire la barrière contre le COVID, c'est-à-dire tout, la lutte contre le COVID, contre la pandémie, tous les start-up qui sont jetés dans le secteur reçoivent, c'est-à-dire un financement jusqu'à 250 euros gratuitement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est à travers ce briefing comme ça que nous mettons fin à cette émission qui a été comme ça. Je vous remercie une fois de plus pour votre participation et pour vos questions. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine émission qui sera toujours présentée dans le Prodaf Media. Et restez scotchés. Bonne soirée. Merci une fois de plus.